Coucou tout le monde, je m'appelle Elodie et je fais mon master en business communication à l'université de Fribourg. J'ai enfin fini de travailler et c'est le week-end à Fribourg. Qu'est-ce qu'on peut bien faire en plein été? Voici mon programme. J'ai donné rendez-vous à une amie devant le théâtre de l'équilibre. On vous emmène avec nous pour une session de yoga en plein air au bord de la Sarine. Coucou! Passez une bonne semaine? Oui, ça va. Prête pour cette session de yoga? Yes, ça compte. C'est parti! Bonjour, je vous présente Jessica, elle est prof de yoga. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je donne un cours de yoga en plein air, adapté pour tout le monde. Top! Je retrouve maintenant un ami au Belvédère pour aller boire un verre. Ici, c'est le point de rendez-vous de nombreux étudiants. Certains y viennent pour réviser, d'autres pour jouer, d'autres pour se relaxer après une longue semaine. Et il y a aussi la possibilité de manger juste là-haut. Joli coucher de soleil à Fribourg. Vraiment excellent. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain matin au fitness. Bonne soirée. Eine Ewigkeit später. Bienvenue au fitness de Pérol. On a plein de nouvelles machines. Je vous fais faire un petit tour. En été, il n'y a pas trop de monde, donc c'est top. Allez, il faut que j'aille m'entraîner. Je vous laisse. Zwei Stunden später. Après une bonne séance de fitness et avoir bien mangé, je vous emmène avec moi au lac de Gruyère, à 30 minutes de Fribourg, pour aller faire une session de paddle. Voilà, on est sur le lac de Gruyère. Derrière moi, il y a l'île de Beau. Et une superbe journée pour faire du paddle. On retourne à Fribourg pour se préparer et manger avant d'aller au cinéma open air. Voilà, nous sommes au cinéma open air. On est là pour regarder quel film? Bohemian Rhapsody. Ouais. Pas besoin d'aller jusqu'à Locarno pour voir un bon film en plein air. On vous laisse, on va regarder notre film. Nächsten Tag. Dernière journée de ce super week-end. Je vais rejoindre mes potes pour descendre à la Sarine et aller se baigner. On va aussi essayer de jouer au ping-pong si on trouve une table disponible. On voulait aussi aller à la piscine La Motta, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Donc ce sera aujourd'hui au bord de la Sarine pour nous. Yay. Elle est bonne? Ce petit week-end à Fribourg vous a plu? N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, à partager cette vidéo si elle vous a plu et à nous suivre sur nos réseaux. Bye bye!